Salut tout le monde, c'est Megafonta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le 11e épisode du Let's Play sur le DLC La Ville, qui ne dort jamais, de Marvel Spider-Man. Et aujourd'hui on va faire beaucoup de secondaires. Pour quelle raison? Tout simplement parce que, j'ai vérifié, il reste seulement deux quêtes pour cette seconde partie du DLC. Donc oui, là on va clairement pas s'y attaquer, on laissera ça pour le dernier épisode qui sera sûrement le prochain, puis après on switchera du coup sur la troisième et dernière partie. Donc là, full secondaire avec les crimes et autres. Et les autres, bah c'est Scrubo là, hein, vous comprenez bien. Du coup, let's go. Alors ça c'est quoi? C'est pas une escorte quand même. Attends, c'est une escorte. Bon, on va la faire, mais oh, la flemme. Vous savez ce qu'on va faire avant l'escorte? On va faire ça. Là vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? On va tout simplement faire une écoute. Une écoute d'un état de fait que j'ai eu du coup juste en lançant le jeu. Ils aiment bien, dès que je lance le jeu, me mettre un état de fait, j'ai remarqué. Et ça parle justement plus de Scrubball. C'est parfait ça, magnifique. Je ne suis pas du genre à dire du mal des gens. Non, absolument pas. Sauf le Spider-Man peut-être. Créateur de contenu. Ça veut rien dire, j'arrête, ce sont des mots insignifiants. C'est bon, il refait son boomer. Donne un nom insignifiant, j'arrête. Ce que j'essaie de vous dire. Après la revanche de Jared en plus. Hein. Je n'aime pas dénigrer les autres New-Yorkais célèbres et influents comme moi, mais je tiens néanmoins à mettre une chose au clair. Scrubball est une menace pour cette ville, à peine moins que Spider-Man lui-même. Oh, attention, attention. N'importe qui peut-il avoir une chaîne de nos jours? On laisse cette peste aux cheveux violets faire n'importe quoi sur Internet. Ah, je suis d'accord. Point. Pas de la merde pour une fois. Ce n'est pas mon rôle de vous dire quoi faire, chers auditeurs. Et jamais je ne vous inciterai à faire quelque chose qui frise l'illégalité. Mais si la chaîne de Scrubball devait être fermée et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'émettre à nouveau, je crois que ce serait une bonne façon de protéger notre ville. Bien c'est vrai. En tout cas, que tout ce que Spider-Man a jamais daigné faire pour nous. Oh, ça c'est moins vrai. Pour une fois, il y avait un fond de vérité dans cet état de fait. Hein. C'est très rare. Très rare pour être remarqué. Bon, allez, dépêchez-vous, vous. Oh, catastrophe. Je sais plus du tout, par contre, combien il reste de crimes à accomplir. Bon, empêcher surtout, parce que c'est pas d'autre trop qui a accompli sont les crimes. C'est en disant ça, après, Jonah Jameson, il va me dire... Bah, c'est sûr, si je dis que j'accomplis des crimes... Non, 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 t'inquiète. Je les empêche. Mais ouais, je sais pas combien il reste empêché. En Scrubball, je crois qu'il en reste deux, non? Des défis de Scrubball. Là, j'ai pas tourné d'épisode depuis deux semaines, c'est pour ça que je suis un peu dans le flou. Mais il me semble que c'est ça. Il me semble effectivement que... Ah mais attends, mais... What? Mais c'est pas comme ça d'habitude. Oula, ça m'a un peu surpris, cette escorte de témoins là. D'habitude, il forme une embuscade et il n'y a pas un véhicule qui poursuit. C'est plutôt original. Très bien. Oui, ah bah voilà, ça c'est déjà, tu vois, une escorte de convoi un peu... Enfin, de témoins plutôt. Un peu plus intéressante. Vu que là, on n'est pas resté à attendre 20 ans. Ah, j'étais parti dans ma meilleure discussion pensant que ça allait encore durer 20 ans, mais ah, cette fois. Ouais, par contre, faut que je me remette en jambe. Moi, ça fait deux semaines que j'ai pas joué, du coup. Ah, les combats, alors, les combats. On reprend ça en main. Bien heureusement, on n'aura pas... Ah, quoi que si, ça dépend en fait des trucs de Scrubball. Mais normalement, non, on n'aura pas trop besoin de se battre, vu que bon, on a déjà fait les entrepôts d'Hammerhead, là. Ça, au moins, c'est calé. Hop. Aïe, 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 ça fait mal, ça fait mal. Bon, il reste beaucoup trop là de d'ennemis boucliers. Hop, moins un. Déjà, et la brute aussi. Pas électrique. C'est vrai que la dernière fois on a eu des problèmes avec la toile électrique d'ailleurs. Hein. On en avait plus à chaque fois. J'espère que ce sera réparé cette fois-ci. J'ai plus envie d'avoir ce genre de problème. Plus qu'embêtant. Allez, normalement ça c'est le. Ouais, non, il reste encore un peu plus en fait. Hein. Il ne reste pas qu'un seul. Après ça, on va faire le point comme au niveau des crimes restants et des Scrubidou restants, histoire de savoir au moins ce qu'on a à faire. Je pense pas qu'on fera tout dans cet épisode, mais il faudrait bien avancer. Ok, déjà ici 4 sur 5, ça le mérite d'être pas mal avancé. Donc, alors on est ici donc à 4 sur 5, donc il reste un seul crime, il reste un Scrubball. Donc, Scrubball il en reste un et deux. Ok, il en reste deux avec un de combat d'ailleurs. Ah non, il en reste trois. Ah mince. Ah, mais attends, mais j'en avais fait combien moi précédemment? J'en avais fait que deux précédemment. Il y avait celui-ci, celui-ci, et c'est tout. J'avais fait par contre au max, hein, ça oui. Il me semblait que j'en avais fait trois, mais même pas en fait.
Ah bah ça pique un peu du coup. Ouais, c'est pas terrible, terrible. Et du coup en crime, donc ici on en a un à faire. Ça c'était complété. Ici il en restait 3. Ah, ici il en restait 4. Ouais, donc il y a encore pas mal de choses à faire. Je pense que le prochain épisode sera un épisode assez long, parce que du coup on fera sûrement les deux dernières missions, mais on fera aussi le reste du secondaire. Et je sais pas ce qui va rester, mais il pourrait potentiellement rester pas mal de choses. Du coup, on va se diriger vers le truc de ninja. On a vu la strat justement. C'était pas le dernier épisode par contre, il me semble. Hein. Donc il suffit de reproduire la strat du on élimine un par un là, les ennemis et ça nous chope un maximum de bonus de photobombes. Et sur le chemin, du coup, on devrait avoir, je pense, le dernier crime d'Harlem. Si tout se passe bien. Mais oui, les deux quêtes, bon, on les fait en même pas 30 minutes, je pense, les deux dernières missions. Donc après, si on fait un épisode d'une heure, pourquoi pas, tu vois, la prochaine fois, quoi. À voir. Mais il faut quand même qu'on avance bien aujourd'hui. Avec un minimum de crimes restants et un minimum aussi de Scooby-Doo restants. Il y a la quête annexe aussi qu'on a toujours pas eue. Comment on l'a? Oh si, ok, non mais je sais. La quête annexe, je suis sûr, c'est quand t'as fait tous les défis de Screwball, ça doit être lié à elle. Peut-être qu'on va l'arrêter une bonne fois pour toutes, ce serait pas mal. Je suis presque sûr que c'est ça. J'en ai pas forcément le souvenir. Mais je vois pas, parce que c'est impossible que ce soit avec, en faisant la prochaine mission qu'on débloque enfin la quête annexe. Genre on l'a débloqué trop tard, c'est pas possible. Je pense que ça vient de Scooby-Doo. Scooby-Doo-Bidou! Hop, et clic. Si c'est pas ça, bah moi je donne ma langue au chat, c'est tout. Sinon la brute, ok, elle est KO déjà. Wouhouhou. Je t'ai pré-shoot. Très bien. Allez, ça, ça fait le taf. Et du coup, on est à 90 mètres, donc c'est bon. On arrive. Alors, est-ce que ce sera si simple que la première fois? Je sais pas, mais... Normalement, j'ai la strat. Normalement. Peut-être que ce sera pas si simple à reproduire. Hein. On prend notre temps. Et on fait juste les photobombes. Ça avait très bien fonctionné une fois, pourquoi ça fonctionnerait pas cette fois-ci? Ça je connais, donc faut qu'on prenne les toiles aussi, faut pas oublier. En vitesse et en silence. Alors, photobombe, dis-moi, dis-moi tchou. Où faut-il que j'aille? Je sais pas, ah, peut-être. Ah oui, il faut pas tuer un premier ennemi. Non même pas, attends. Première photobombe elle est où? Ok, nickel, elle est là. Du coup. Pourquoi je peux pas m'attaquer là? Juste si c'est bon, ok. On prend vraiment notre temps. Hein. Quand j'ai dit que je prenais pas le temps, moi je prenais mon temps. J'ai même pas vu le score nécessaire, mais je pense que vraiment les photobombes suffisent. Hein. Donc pareil, là on va attendre. Il y a combien d'ennemis? Il y en a que 11. Ok, énorme. Très bien, faut qu'on aille là-bas. Un peu descendu là quand même. Petit rappel, je répondrai à vos questions en live ce soir sur ma chaîne. Ah oui, sauf que là. Oui, bon attends déjà toi je vais t'entoiler mais il est pas dans la zone le mec, c'est un peu problématique. Ah il y en a un là. Oh mais il y a lui encore qui gêne du coup, bah non, je peux pas. Oh cette photobombe est gâchée d'office. Oh ouais ça c'est pas terrible hein. Putain ils sont deux là en plus maintenant agglutinés. Je tente un truc hein mais bon. Je pouvais pas faire autre chose. Ça compte pas à photobombe, mais en même temps, faut bien que je m'en débarrasse, quoi. Ouais, bon, ça commence pas si bien, du coup, parce que là, la photobombe, elle est... Elle a disparu. Je crois que ce premier essai ne sera pas concluant, mais au moins, on pourra se donner une idée du score nécessaire, au moins. Ici. Si ça passe, par contre, hein. Si ça passe. Par contre, si j'enchaîne maintenant toutes les photobombes sans rater une, je pense que c'est bon, hein. Son, moins il y a d'ennemis, plus ce sera simple. Faut se dire ça aussi. Ok, tout là-bas. Bon, lui, du coup, bah j'aurais pu clairement l'éliminer là, mais maintenant, plutôt le laisser. Hein. De côté. Là, du coup, je ne peux... Ah oui, bah, oui, il regarde, forcément que je peux pas. Aïe. Je peux essayer d'attirer comme ça. Mais il y a lui, putain, c'est lui que je voulais attirer, c'est pas le contraire. C'est lui, il me pose vachement problème là. Oh, retourne-toi, c'est ça, merci. Oh, merci! Oh, c'était vachement sympatoche! Il se retournait d'un. Quoique, attends, il y a un logo, il y a un losange. Non, c'est bon. Ok, on enchaîne, on enchaîne. Next. Ils sont plus que 6 déjà. Ça fait quand même bien le ménage. Ah oui, sauf que prochaine photobombe, bah elle est.
Elle est vide. Je peux peut-être attirer quelqu'un après, je sais pas. Cela, il y a personne. Hein. Pourquoi il y a un... Il y a un otage, c'est quoi ça? Il y a peut-être lui ou lui qui peuvent venir là. S'il vous plaît, venez. C'est bon, il arrive, il arrive. La photo reste quand même un certain temps, donc je pense que ça peut peut-être le faire. Ça, on va le désactiver au pire. Hey, ça coupe. Nu, nu, nu. Oh merde, il y a lui. Oh merde. Oh la cata. Oh la cata. C'est bon, tout va bien. Enfin, tout va bien. J'ai vu mieux au passage, oui. Effectivement. Oh, il m'a grillé. C'est pas si simple que le premier, pourquoi? Parce que là, l'enchaînement des photobombes est plus compliqué. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a plusieurs ennemis et tout, donc... il est pas si simple à manager. Putain, mais seulement j'ai le score cible aussi, je peux me dire que... Oh, voilà, j'ai tant que ça de score. Ok, c'est bon, maintenant on peut partir en mode normal sans attendre les photobombes. Parce que là, j'ai pas le score actuel nécessaire. On peut pas le savoir, de toute façon, sans terminer le truc. Donc, je suis grillé. De toute façon là ça va être le même ordre de photobombes, donc il n'y a pas de raison que ce soit plus simple. Aïe. À vouloir trop les attirer, du coup je me suis fait repérer. Ici. Ouais, donc elle est toujours ici. Donc toi c'est bon, on va pouvoir t'avoir. Ok. Donc la prochaine ce serait là-bas. Limite je prépare déjà le terrain. Limite oui hein. Ça, hein, mais par contre pourquoi tu t'accroches pas là-dessus? Merci. Ça c'est gênant, c'est gênant, c'est gênant. Oh mais lui il est parti du coup. Bon, je te chope quand même, mais bon. Quel roulou. Du coup on va attirer celui-ci là. Il y a le sniper là aussi qui peut gêner. Ça je vais le désactiver entre temps qu'il arrive. Voilà, merci. Il est dans la zone là, c'est bon. C'est bon. Pour l'instant, ça commence mieux quand même, je trouve. Ça commence beaucoup mieux. On n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. Je suis d'un petit raté et c'est fini. Bye bye. Ok, ici. Ah ouais, donc là, c'est plus vraiment le même ordre. C'est ici maintenant. Ah non, quoi qu'on l'avait eu ici, je crois. Ah, je sais même plus l'ordre en fait. C'était pas là-bas, je sais plus. Je suis pas grillé, c'est bon. Alors là-bas, de toute façon, hop. Change d'endroit. Oui, j'ai quand même envie de l'éliminer, mais en même temps, non, j'ai pas envie, c'est du gâchis. Pour l'instant, on a très bien débuté, mais faudrait pas tout gâcher. C'est ça qui me pose un peu problème. Oh là là, et lui, il était... Oh, il est bien. Pire, je descends, attends. Ah, mais il y a lui à côté aussi, c'est risqué. Oh non, en plus, il m'a grillé, là. Un peu chaud, là. Sans danger, hein, t'as intérêt, ouais. Je t'ai fait peur ? Oh non, je suis grillé, je crois. Attention, attention, il y a le losange de... On se casse, c'est bon. Normalement, c'est bon. Ils sont aux aguets, hein. Bon, je crois que je vais prendre moins de risques, de toute façon, à partir de maintenant. Il y a lui, regarde, là, par exemple, qui est vachement sur l'interrogative. Oh, il y a lui, là, qui est... Pourquoi lui, il est autant en mode « Hey !» Va là-bas, toi, s'il te plaît. Merci. Oh, mais non, ils sont deux ici, c'est pas bon. Oh, mais il y a un qui avait pas vu l'autre. Ok, go. Nickel. Bon, 10 000 de score, mais pour l'instant, pour moi, ça veut rien dire. Hein. Je sais pas du tout si c'est bien ou pas. 10 000 de score. Il en reste 6, allez. Merci. Ok, on va pouvoir se débarrasser du relou, là, qui est sur mes pattes, un peu. Il est sur mes papates. Si on joue au roi du silence. Hop. Allez, 5. 5, 5, 5. Ils sont tous en bas. Non, il reste le sniper encore qui est de l'autre côté, là. J'ai envie de bien m'en débarrasser de lui. Ok, ici. Ça, ça devrait le faire, non? Ah, pas forcément. Si, c'est bon, ça le fait. Il n'est pas en vue avec d'autres ennemis. 4. Eh, 4, c'est pas énorme, là. Bon, après, ils sont à peu près tous dans la même zone. C'est pour ça qu'il faudra sûrement les enchaîner. Lui, s'il te plaît, lui là. Lui, je veux m'en débarrasser, c'est le... Ah non, il y a un autre... C'est pas vraiment un sniper l'autre là. J'attends, hein. Sinon, je m'en débarrasse de lui en vrai. On n'avait pas eu ça aussi l'autre fois là, avec la photobombe qui avait pris du temps. Je crois, hein. Allez, vas-y, je l'élimine. Pierre, hop.
Ça en fait 3 restants. Il faudrait quand même une autre photobombe. Peut-être qu'il n'y en a plus après, mais c'est bizarre. Quand même, c'est très bizarre. Bon, je pense que lui, je vais l'éliminer du coup au cas où aussi. Parce que si j'attends pour rien, je perds du temps. Même si j'ai dit que je prenais mon temps, bah, c'est quand même contraignant. Donc on va peut-être éviter ça. Il n'y a plus l'air d'avoir de photobombe. Hein. Si bien, il est plus compliqué celui-ci. Du coup, il a un nombre limité de photobombes. Peut-être ça. Hop. Ouais, c'est large, c'est bon. Putain, si j'avais su... Tu vois, si j'avais su que c'était 12 500, bah, je me serais arrêté vu que j'avais déjà les 12 500. Sans les autres bonus. Bon bah voilà, on prend notre temps et on réussit. Bon, ça prend du temps effectivement après à accomplir, mais c'est réussi, c'est réussi, c'est le principal. Allez, on enchaîne donc avec je pense un autre screwball, hein, le combat celui-ci. Allez, ouais, on va partir. Bon là du coup on n'aura pas de crime sur le chemin par contre, mais go enchaîner celui-ci. Ça, j'avais pas galéré plus que ça sur le premier combat là. J'espère que ce sera pareil là. Électrique de prête, hop, c'est équipé. Faudra faire ses meilleures photobombes. Tout va dépendre encore une fois de la zone de toute façon, hein. Faut vraiment avoir une bonne zone aussi de combat. Après, quelle est une bonne zone de combat, je ne sais pas vraiment, mais il y a des zones qui sont meilleures que d'autres, ça c'est sûr. Peut-être que je vais laisser... Non, faut pas que je laisse la dernière screwball pour le prochain épisode. Comme ça, là, si je le fais pas à 100%, je pourrais le faire en off, tu vois, pour le prochain. Donc non, il faut que, dans tous les cas, j'enchaîne. Les deux autres screwball dans cet épisode-ci, qui va durer sûrement plus longtemps, du coup, aussi. Hein. Alors, il semblerait que je dois me rétracter. Ah bah non. Ah oui, mais c'est pas la déclaration, je screwball sur Hammerhead. Corrompu. Il est corrompu. C'est-à-dire que la zone de fight sera dans les parages là. Hammerhead est un assassin violent. En fait. Je sais pas. Semble-t-il, a dérobé des super armes afin de prendre le contrôle de la ville dans une sorte de coup d'état. Dépêche-toi de parler là, s'il te plaît, j'ai juste envie de faire mon screwball moi. Et surtout pas Spider-Man, que ça soit fait là. Ceci étant dit, je maintiens tout ce que j'ai dit sur les motivations d'Hammerhead. Les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de lâcher leur smartphone, d'arrêter le floss dance. T'es corrompu là, je reconnais. Ah, floss dance. Et de trouver un job. Comme nous l'avons tous fait à 8 ans pour apprendre. Attends, il y avait le floss à l'époque. Mais je pense que nous serons tous d'accord. Attends, il y avait vraiment le floss à l'époque. Il y avait Fortnite à l'époque. Surtout Fortnite qui a démocratisé le floss. Tout ce que je peux vous dire. Bah oui, bah oui, en vrai, bah oui. Mais sûrement déjà, oui, tout ça, hein, qui était démocratisé à cette époque. À l'époque du DLC. Oh, c'est fou. Mais oui, attends, mais ils sont pas sortis. Ils sont pas sortis en même temps, Fortnite et Marvel Spider-Man. Alors, soit ils sont sortis en même temps, mais quand je dis en même temps, c'est en même temps, parce que Fortnite était sorti fin septembre. Non. Oui, si. Fortnite est sorti fin septembre. Marvel Spider-Man était sorti milieu, début septembre. Donc, soit c'était la même année. Donc le même mois, de la même occasion, soit c'était avec un an d'intervalle. Pour l'heure, un an d'intervalle, c'est Fortnite qui était sorti avant, je pense, avec un an avant, mais c'est vrai que oui, du coup, soit les deux jeux étaient sortis en même temps. Hein. Ah. Bref, c'est papoté, nous avons affaire, soit, et ça paraît beaucoup 68 000, mais après, ça veut pas dire grand-chose. Faut juste que je focus un maximum les zones de photobomb, et qu'il n'y ait pas non plus des ennemis trop relous. Une bonne chose quand ils sont pas trop relous les ennemis, effectivement. Ok, bon, la zone c'est ici. Bon, là on n'a pas non plus un gros point de vue de la zone actuellement. Allez, go! Oh, il y en a avec des boucliers. Oh, ça fait mais limite on les oublie eux avec ce Hammerhead maintenant. Pas trop que je les élimine parce que je sens qu'il va pas tarder la photobombe. Yes, et voilà. Et en plus, elle pile ici. Alors, je sais pas si c'est bon signe ou pas, mais j'ai pas du tout le souvenir de cette zone de combat. Quand j'ai pas le souvenir d'une zone, ça veut dire vraiment que je suis pas resté longtemps dessus. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, elle m'a pas fait galérer. Ça veut pas dire grand chose après, je le répète, mais c'est peut-être un indicateur comme quoi on va peut-être pas tant que ça galérer. Si à l'époque j'ai pas galéré, je vois pas pourquoi je galérais maintenant. Parce qu'on peut se permettre parfois de galérer à l'époque, mais du coup de pas galérer au moment présent. Donc, à contraire, c'est rare. Donc. Pas avec un minimum de confiance, mais je sais pas. Déjà, il y a un whiplash. Un peu trop tôt, ça, pour qu'il y ait un whiplash. Déconne, ouais. On va le laisser vite. Je me casse. On va plutôt s'attaquer à eux. Regarde, ils sont dans la zone directe. C'est trop bien pour l'instant. Bon, par contre, je les éjecte là. Ça, c'est pas bien.
et je me prends des dégâts. C'est bon, tant que ça revient dans la zone après, ça peut le faire. C'est ça, voilà, ils viennent dans la zone. C'est parfait pour l'instant, c'est parfait, on est bien. Bon, malgré que l'autre, il est pas éliminé, là, le... Le Whiplash, qui peut... Oh non, dommage, oh, bon, j'ai pas pu s'éliminer, du coup. Le Whiplash, il peut être chiant. Hop, ok. On attend hein, la prochaine cible de photobombe. Elle est où la prochaine? Pour l'instant elle est pas active hein, je crois. Hein. Ok c'est bon, elle y est. Il n'y a pas grand monde pour l'instant. Mais ça arrive, c'est bon, pas d'inquiétude. Ok. 68 000 comme c'est énorme, hein, je le répète. Hein. Vraiment, wow. Mais ça va le faire. Il n'y a pas de raison en tout cas. Enfin si, 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 y'a de raison que ça le fasse pas, comme toujours. Mais vas-y, pas cette fois, pas cette fois. On est dans un bon mood, un bon vibe pour cet épisode. Hop. Pour l'instant, à part bon, peut-être la deuxième cible de photobomb, j'en ai eu que deux à la place d'en avoir trois. Alors ça, j'ai pas trop de désagréments, attention. Faut pas écrit comme toi. Faut pas chier. Ils sont tout pris des balles en plus. J'essaye de tempo à peu près, tu vois, pour pas trop les éliminer. Tant qu'il n'y a pas de photobombe. Voilà. Et il y a du monde qui arrive. Ils arrivent vraiment au bon endroit au bon moment, là. Ah, par contre, l'autre, il a bloqué avec son bouclier. Non. Bon, allez. Non, non, non. On va partir comme ça. Hein. J'ai perdu beaucoup trop de vie, ça, c'est pas bon. Parce que le bonus est assez important à chaque fois de vie restante à la fin, justement. Vite lui. Oh, et encore deux. Bon, c'est pas grave, c'est pas si grave. Tout va bien. Relativisons. Aïe, il n'en faut pas relativiser quand t'as un Whiplash et compagnie là. Non, pas du tout relativiser. Oh, il compte, il compte. Ça, ça ajoute un peu plus de bonus. Allez, allez, venez là. Qu'est-ce qu'il fout? Prends-toi ça, toi. Il est un peu sonné. Ouais, mais je me prends des coups. Ah, j'ai peur qu'à vouloir trop tempo, je vais aussi bien le faire avoir. Hein. Mais allez, on dit que non, on dit que non. Enfin, dans son quête, c'était pas terrible ça. Y'a plus que lui? Ah non, c'est bon, il y en a d'autres. Moi, ouais, je les attends. Hein. Non, toi, je veux pas t'attaquer, surtout pas. Moi je m'attaque à la brute. Moi je m'attaque à ceux de mon calibre. Et oui c'est ça. Ok au moins niveau vie je suis bien. Il reste encore un ennemi. Mais niveau vie je suis bien. Hein. Y'a rien à dire. Photobombe ça peut aller. 64 000. Côté positif maintenant je connais. Je connais le truc. Je sais où spawn. La zone effectivement est pas trop problématique vu qu'elle est toute petite. Les cibles de photobombes sont pas trop éloignées. Mince, j'ai pas fait réessayer. Je pense que ça peut le faire. C'est tellement frustrant d'échouer à si peu, quoi. Il manque rien, c'est un petit détail près, et bah du coup, ça passe pas. Bon, de toute façon, là, si j'échoue, bah, tant pis, hein, je le ferai en off. Oh là là, mais... Si seulement, quoi, ça pouvait passer, là, avec le peu de score manquant. Oh là, attention, il y a les molotovs. Hein. J'ai envie de me faire surprendre pas ces dernières. Yes. Allez, venez ici. Je vous prie. Venez, venez, venez. Pourquoi à chaque fois, ça tire la toile. Oh, électrique. Non, mais le moindre détail là maintenant me fait rager. Hein. Mais la toile électrique sur le mec au bouclier, toujours. Ah, voilà, et, au bout d'un moment, c'est rageant. Donc, oui, vraiment, le moindre détail, moi, ça me fait vriller. La voûte je l'aurai pas donc je pense qu'on aura que deux trucs. Ah bah si, ok il manquait rien. Très bien, bon là faut faire la bonne transition, il faut surtout se débarrasser du Whiplash. Qui est déjà là, oui en plus il est déjà là. Oh vite, va falloir prendre la bombe là. Bon j'ai un peu raté, tant pis. Hein. Le bon score de la photobombe, j'ai un peu raté ouais. Ils sont un peu trop en dehors de la zone aussi là, je trouve. Ok, c'est bon, allez, faut focus Whiplash là. Sauf qu'il est dans la mêlée.
Comment veux-tu que je le focus? Oh, il s'atterrit sur le bouclier en plus. Oh non, j'aime pas ça, je déteste ça. Ah, là, tu vois, je peux même pas l'attaquer. Oh, je le déteste, Denis, quand il est intouchable comme ça, là. J'en ai marre. Il me fait péter des câbles. T'essayes de lui mettre une toile électrique, sauf que tu peux pas, vu qu'il est toujours protégé par les autres. Qu'est-ce que c'est pénible. Oh. Et là, du coup, je peux l'avoir maintenant pendant longtemps. Hein. Parce qu'il est toujours pas mort. Ça va poser problème. Comment dire? Comment faire? J'ai plus de toit électrique en plus, je crois, donc ouais. Oh là là. Vite. Maintenant, jamais. C'est bon. Allez, vite, la photobombe, même si putain, ils sont du coup complètement pas au bon endroit. C'est-à-dire à l'endroit de la photobombe. Mais pourquoi ça fait une explosion de toile? Ok, bon, je me suis trompé. Pas grave. Au pire, on s'arrange pour que ça fonctionne tout de même. Si je gère la fin, ça peut peut-être le faire, là, hein, mais... Waouh. Ça a pas très très bien débuté, je trouve. Ok. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'ennemis, là. Allez, on décale ici, venez, suivez-moi. C'est parti. Prochain, normalement, il y a Whiplash en plus. Hein. Oh, il y a un deuxième direct. Nickel. Prochain, il y a Whiplash, je pense. Ok. Allez, c'est bon, c'est parti, là, c'est parti. Ça score, là, ça score très bien, même. Nickel. Oh, putain, ça, je m'y attendais pas qu'elle soit là, la photobombe. Venez, 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 vite. Oh, ça m'énerve, il y a la surimposition. Et là, ça comptera pas, du coup. Ah, tout est gâché. Tant pis. Tant pis, tant pis. Même lui, je peux... Ah, si, lui va compter au moins. Bon, j'aurais un peu sauvé la photobombe. Malgré les apparences. Et là, il y a le Whiplash. Oh, bah, attends, c'est le moment, hein. Vite, je me focus. Non. Le Whiplash, j'ai dit. Comme ça. Non. Oh, y a le Whiplash, y'a le Whiplash, y'a le Whiplash, y'a le Whiplash. C'est pas bon. C'est bon, électrifié là. Il est pas mort par contre, hein. Mais il reste pas grand chose, on va dire. Allez, soyons positifs un peu. Y'a la greu par contre là. Vite, faut que je la renvoie. C'est bon, je l'ai eu. Y'a où le Whiplash là? Où il est, hein. Hop, je suis pas mal en score, non? Je sais pas, j'ai l'impression, mais je sais pas. Ok, combien? How many? Oui, 70 000. Enfin, oh là là, c'était galère. Moi qui disais, ouais, mais j'ai pas trop souvenir, donc c'est bon, je pense que c'était un truc facile. Non, bon, au moins, il reste plus qu'un. Screwball. Et on les a pour l'instant tous au max en termes de score. C'est bien. Du coup, il reste plus que ça. Donc ça c'est... Ouais, c'est le défi gadget en plus qui reste en dernier. Alors ça, je pense vraiment c'est... ça passe ou ça casse. Genre, il peut être très simple le truc, comme il peut être très galère. Quel combo en fait on va nous demander là en termes de gadget. Bon, du coup, avec ces nombreuses ellipses de mon côté, bon, je sais pas du tout à combien de minutes d'épisode on est. Ce qui est sûr, c'est qu'on va de toute façon faire au moins ce défi à 100%, je sais pas. Ça va quand même de faire quelques crimes aussi après. De toute façon, là, on va voir au moins si ça va débloquer une quête annexe ou non. On aura le cœur net là-dessus. Oh, mais la galère, il était pas compliqué, mais vraiment, ce qui a été le plus problématique dans ce défi-ci, c'était les. Les Whiplash. Il y en avait que deux. Mais qu'est-ce qu'ils étaient relous, quoi. Parce que si t'arrives pas à t'en débarrasser directement... Oh bah t'es sûr qu'ils vont te gâcher toute ta game. De A à Z. Donc vraiment, ouais, c'était ça le plus problématique.
Alors. Ah, j'ai pas de souvenir là, honnêtement. Qu'est-ce que c'était comme combo de gadget? Ah, je sais pas du tout. C'est dans le chantier, ok, ouais. Qu'est-ce que ça peut être? 56 000, donc encore une fois, ça paraît comme beaucoup. Donc là, c'est en e-gadget. Si le combo est facile après à faire, ça va. Hein. Il était pas compliqué après celui qu'on a vu la première fois. Salut à tous, c'est l'heure d'un nouvel épisode très spécial. Vous êtes prêts? J'ai peur. C'est pas le même, de toute façon, on est d'accord. Que j'ai mis dans ton costume l'autre fois, tu ne peux utiliser que deux gadgets. Pas de code pour tricher. C'est bombe de toile répulsive, c'est ça? Je crois que c'est ça, hein. C'est ça, bombe de toile répulsive. Ouais, ça va, non? Parce que bombe de toile, on en aura plusieurs. Bon, après, comme le truc qui permettait de monter en l'air, je sais plus le nom. Dit comme ça, c'est bizarre, d'ailleurs. Mais ouais, ok. Est-ce que ce serait pas plus simple que l'autre pour faire des photobombes? C'est ça qui m'intéresse le plus, moi, de toute façon, c'est les photobombes. Si on peut en faire facilement, tant mieux, hein. Hop. Ok. Non, jure, une photobombe. Oh. C'est peut-être plus simple. Mince, je me suis trompé. Là, dans l'axe. Ça n'a même pas fonctionné. Quand je l'ai envoyé la pêtre là-bas. Attends, on réessaye. On se met dans l'axe. Hop. Ok, là ça a fonctionné, mais j'en ai mis tellement d'un coup que. Ah, motivé, que c'est très bien fonctionné. Et encore la photo bombe en plus là-bas, je pensais qu'elle avait déjà disparu, du coup, vu que je suis un peu lent là. Ok. Bon, de toute façon, je pense qu'on l'aura pas du premier coup, là il faut que je comprenne déjà où sont les spots et tout. Mais après, ça pourrait peut-être le faire en deuxième essai. Montre-moi ce que ça, Spidey. Ouais, je le trouve quand même plus simple au niveau du maniement des gadgets, le switch des gadgets. Oh, direct! Ou de la chance, j'ai pas fait exprès. En même temps, je pouvais pas le pré-shoot, hein. Ne connaissant pas le truc. Enfin, je m'en souviens pas si on fait ça. Allez, là, on va décale. Nickel. Oh, dommage, ça compte pas directement plusieurs photobombes d'un coup, hein. Sinon, ce serait bien plus simple. Si, c'est quand même plus simple que l'autre. Surtout que là, on n'aura pas de cible en l'air, je pense, de photobombes. Contrairement au premier de gadget. Déjà à fin? Et j'ai tellement enchaîné que c'est déjà à fin, je crois. Ah ouais! J'ai peut-être trop bombardé, je pense, parce qu'on a eu que deux photobombes. Je suis pas si loin en termes de score, je trouve. Pour un premier essai, il manque 4000 en arrondissant. Je pense que ça peut le faire, mais j'ai peut-être trop bombardé, effectivement. Faut que je t'en pour un peu plus, je pense. Parce que. De cible de photobombes, ça me paraît beaucoup trop peu. Je pense clairement qu'on en a plus normalement. Hein. Ou alors c'est le truc qui est très court. Je sais pas. Mais je vais essayer de tempo un max. On a 2 minutes 30. Je sais pas combien de temps il restait là, mais il devait rester énormément de temps. Hop. Et puis l'élimination, voilà. On va plus là, jouer comme ça, calmement. Là, voilà, on les expulse. Yes, photo. Bon, bah allez, vas-y. Ok. Ça l'a envoyé, oui, ça l'a envoyé. Sur lui. Et sur l'autre aussi, je crois, à côté. Ouais, je crois que l'autre est entoilé aussi. Testons. Non. Ouais, c'est bon. C'est passé. Vraiment, je prends beaucoup plus mon temps. Il n'y a rien à voir. Hein. Et lui, on l'a eu de manière magique. Le middle, il y a du monde. Ouais, mais j'ai pas envie de tous les avoir comme ça, hein. Oh, par contre, là. Yes. Ok. Oh, l'autre, tu peux encore l'avoir aussi. Il s'est pas libéré entre-temps. Nickel. Bon, après, hop, ici. Et voilà. Là, déjà, on a fait plus de photobombes, je crois, que l'essai d'avant. Donc, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Bon, on en élimine quand même, mais ouais, tu vois, hop. On a une troisième cible de photobombe là. Le score, je sais pas si je suis forcément mieux, mais après à quel point.
J'en sais rien du tout. Hein. Mais je suis très confiant pour dire que cet essai va être le bon. 30 000, ça va le faire. Ça va clairement le faire. Toi, est-ce que je peux t'envoyer si loin par contre? Non. Allez, vas-y, vas-y. Yes, sans toi, allez, c'est bon. Toi, on va t'envoyer. Je suis pas sûr de pouvoir avoir une dernière photobombe là. Oh, c'est les derniers, ça. C'est les tout derniers ennemis, ça. C'est triste de se sentir fier. Et voilà, je l'avais dit. Il était très simple, lui, pour le coup. Ça contraste du précédent en mode combat. Ouh. Et du coup, est-ce que la quête annexe s'active? On a terminé tous les défis. Elle dit rien, d'ailleurs. Ah. Que j'ai bidouillé dans le pirouge du scroll. Oui, parce que ce serait ça, du coup, la quête suite au piratage qu'on a pu faire. Et voilà, nouvelle mission annexe. Ce qui veut dire une très bonne chose, je suppose, en tout cas, c'est que Screwball l'en va l'arrêter et on l'aura donc pas dans la partie 3 du DLC. Donc c'est peut-être les tout derniers défis qu'on faisait. C'est terminé. Donc là, j'aurais même pas besoin de les refaire en off vu que je les ai tous fait au max. Oh, quel plaisir. Attends, on vérifie quand même. Est-ce qu'ils sont vraiment tous faits au max, les défis? Normalement, oui. Hein. Donc lui, niveau ultime, c'est bon. Lui... Niveau ultime, c'est bon. Niveau ultime. Niveau ultime. Et niveau ultime. J'en ai pas oublié. Non. Donc voilà, maintenant on va pouvoir s'attaquer au crime. Screwball, on va la garder pour le prochain épisode, tranquillement. Donc ici, j'avais... Non, ici, j'ai pas de crime, justement. On va décaler là. On a 3 crimes. Allez, go faire ça. Je pense qu'on fait les 3 crimes et on s'arrête là pour l'épisode. Donc, la prochaine fois, du coup, on aura des crimes. La mission annexe et les deux missions principales. Ça fait quand même beaucoup de choses, peut-être dans un seul épisode, mais je pense que ça devrait aller, ouais, ça devrait aller. Les crimes, c'est pas si long. La mission annexe, je pense, sera très rapide. Ce sera juste faire l'arrestation de Screwball et hop. Et comme j'ai dit, les deux missions, je pense pas non plus qu'elles soient très longues. Et en plus, on a déjà protégé la police, tentative d'attaque. Non, ça va, tentative d'attaque. Donc ça, c'est pas... Non, c'est bon. C'est pas les témoins. Ouf. Voilà, faut prendre les répulsives. Donc c'est les snipers sur les toits, ça va répulser un max. Je peux même peut-être, si là je suis rapide, gratter un peu des crimes dans l'autre quartier, histoire d'un peu plus en faire avancer et de préparer vraiment le prochain épisode, un max. Ouais, on peut faire ça. Hein. Ça va vraiment dépendre, parce que là déjà, ce crime, c'est comme s'il était validé. Hop. Et laissez-moi vous. Ah oh bah non, j'ai plus. Ah oh bah non. Oh, tant pis. Hein. J'ai plus de toile. Enfin, de répulsion. C'est pas vraiment d'étoile. Wow. Si on enchaîne rapidement, oui, il y a moyen. Là, ça va faire 3 sur 5. Yes. Faut juste pas tomber sur de foutues escortes de témoins. Si j'évite les escortes de témoins, c'est garanti. Par contre, si je les esquive pas, ça va faire mal. Je tremblote déjà. Comme ça, on aura fait, tu vois, 6 épisodes pour la première partie du DLC, 6 épisodes pour la deuxième. Toute logique, peut-être 6 épisodes aussi pour la dernière. Hein. Je trouve que si on n'a pas de crime de Screwball, ou mieux sous des crimes, ce que nous fait les défis, ça pourrait aller encore plus vite. Hein. Je sais pas par quoi ça va être remplacé, mais... Plus de défis, on est tranquille. Waouh. À la bonne heure. Éliminer. Yes, parfait. C'est sur un toit en plus, donc ça va être encore très rapide. Ah oui, mais du coup, j'ai pas récupéré. Les décharges, j'ai pas récupéré. Tant pis. J'ai les toits électriques. Sinon, là, j'étais amassé sur le toit. C'était parfait. Oh, mais attends, au pire, ils sont amassés. Hey, c'est plus dans le toile. C'est fini? Oh bah oui, là, ils sont partis. Hein. Ça, c'était ultra rapide. Oh, si, je pense on va faire quelques crimes de l'autre quartier. Hein. Parce que là, il n'en reste plus qu'un. Faut juste que le dernier là soit pas trop long à arriver. Éviter que ce soit une escorte de témoins. Et c'est tout bon pour moi. Ce serait vraiment tout bon. Parce que là, je suis à combien de pourcents? 82%, ok. C'est plutôt correct, ma foi. C'est plutôt correct. Allez, s'il te plaît, mon petit crime là. Je suis quand même content d'être débarrassé là, des défis de Screwball. Parce que waouh, c'est sympa 2 secondes ça, mais
Enfin, si c'est pour les faire juste comme ça, ça va, mais quand il faut aller chercher le niveau ultime, c'est... C'est fatigant, si je puis dire, hein. C'est fatigant, ouais. Hein. Comme les défis de Taskmaster, quoi. C'est... De toute façon, c'est dans la... La continuité de ces derniers. C'est une fusillade, ça. Oui, allez, c'est bon. On va pouvoir enchaîner, du coup. C'est une petite fusillade. Bien sympa. Oui, aïe, aïe. Je vais dire bien sympatoche, mais moi je m'en prends à la touche. Peut-être une explosion de toile qui va recharger, mais je pense pas. Je ne pense pas qu'un tel miracle puisse arriver. Je n'y crois plus en tout cas. Bon, il y a les renforts. Mon explosion de toile, si, elle va être rechargée. Hein. Bah, elle est inutile là, je pense. C'est pas assez d'ennemis. Là on enchaîne comme ça. Ok. Hop, la petite esquive. Ça, je peux garder mon explosion de toile pour un prochain crime. Donc j'enchaîne dans cet épisode là, j'ai décidé d'enchaîner encore un peu. Je sais pas du tout à combien de minutes on est là. Donc normalement, à chaque fois je me trompe dans cet épisode, je sais pas, à mettre start au lieu du pavé tactile. Ça fait 3 quartiers là du coup de compléter. Yep, donc il reste plus que lui. Là par contre, il reste 4 crimes. En vrai, elle en fait un seul, je pense que c'est déjà bien. Oui, parce qu'après 3 crimes, c'est très rapide. Allez, on en fait un pour terminer du coup cet épisode. Oh oui. Tiens, je vais être innovateur dans cette vidéo. On va faire l'outro dès maintenant. Même si c'est pas réellement la fin de vidéo. Mais je vous dis direct du coup de liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu, hein, ça me fera forcément extrêmement plaisir, hein, c'est la petite récompense. Donc voilà, ça c'est dit, ça c'est fait, ça j'aurais plus qu'à dire le petit bye tout le monde. Bon, ça c'est pas le vrai bye tout le monde, par contre ça compte pas. Hein. Donc j'essaye un peu de gagner du temps. En attendant justement que le crime va popper. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que justement pour bien terminer, on va avoir une petite escorte de témoins. Yes. Ça me fera regretter comme ça d'avoir fait un crime bonus. Me donner une belle escorte de témoins. On est dans le quartier là, de toute façon, je pense. Hein. C'est bon. À 200 mètres du middle, oui, normalement. Yes, ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Poursuite de véhicule. Normalement, non. Du coup, c'est pas témoin. Ça, c'est juste poursuivre. Hein. Il bouge pas le véhicule. Ah, c'est bon. Ok, bon, ça va du coup. C'est pas le pire. C'est clairement pas le pire. Vous voyez, j'ai chopé le véhicule en tête, c'était pas trop ce que je voulais faire, mais c'est mieux comme ça. Hop. Ça dégage. Et hop, alors, et on chope le véhicule. Excellent. Et le deuxième maintenant. Non, il y a des renforts, vous voyez, il n'y a pas que, en vrai, les renforts arrivent sur la minimap. Ah ouais, c'était beaucoup trop simple. Allez, maintenant, venez-vous. On sort. Allez, on sort plus vite que ça du véhicule, hein. Vos papiers, messieurs. Vos papiers, je vous prie. Ok. Et le dernier. Un petit finish. Magnifico. Et ben voilà. 2 sur 5. Comme ça, on est bien prêt pour le prochain épisode. Ce sera le dernier, donc, de cette partie 2 du DLC La Ville qui ne dort jamais de ce Marvel Spider-Man. Et je vous dis donc bye tout le monde. Oh yeah.